oreillette. Et c'était compliqué en fait pour tout synchroniser. Et puis des fois elle peut dire oh t'es, il y a l'autre con qui est là et tout ça. Donc si tout le chat entend ça, c'est pas génial. Parce qu'on sait tous que Manon est machiavélique. Donc là tout est séparé, donc oui on pourra avoir la fée de l'oreillette. Par exemple, ton stream me sert de fond sonore pendant que je travaille. Ouais, c'est vrai, Jérôme, il y a plein de gens comme ça, ouais. Ou en ASMR visuel. Vraiment pour se poser, pour travailler. Donc, bah merci à vous en tout cas. Et vous êtes toujours aussi nombreux en plus. Donc, ça fait vraiment plaisir. Pas de tunnel pour enrober tes chocolats. Non, Vapojack, j'ai pas de tunnel, j'ai pas la place ici. C'est une des raisons pour lesquelles on cherche un autre local aussi. C'est que là, il fait que 25 mètres carrés ce labo. Vous avez ici la partie cuisson, de l'autre côté là-bas la partie plonge. Là, c'est pro. Mais ouais, j'aurai jamais la place pour un tunnel de 5 mètres quoi, ça sera pas possible. Mais j'ai un tunnel de sortie ici, enfin, un tapis de sortie, j'ai un tapis qui vient là. Je dois mettre l'enrobeuse un peu en décalé quand je suis en mode enrobage. Quand je suis juste en mode moulage, y a pas besoin. Et du coup, non, pas de tunnel. Peut-être que ça viendra plus tard. C'est vrai que c'est assez pratique, mais pour le moment, non, il n'y a pas besoin. Je mets tout direct sur plaque. Je mets à 17 degrés, puis après, ça cristallise pendant que je finis d'enrober. Merci beaucoup pour tous les follow, je vous ai pas remercié. Il y a eu énormément de follow rien que ce matin. Vous êtes incroyables, merci beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup à remercier. Merci beaucoup. Sapin, ouais, je l'avais dit. Merci Infinity, Almor, Straff, Gunlame, Loan, Opal, Orion, Fury, Orso, Driou, Gasparito, Smip, Sekisan, Sever Six et Kemper. Bienvenue à vous sur la chaîne du chocolat. Le café bonne idée, ça. Ouais, franchement, ça fait au moins un quart d'heure là que j'ai envie d'un café. Je pense qu'on va aller s'en faire un petit là. Ça se grave pas si tu passes ton temps à le fondre et refondre. Non, pas vraiment. Ça peut le dégrader si tu le montes trop en température en le faisant refondre. Surtout pour le lait et pour le blanc. Parce que justement, tu peux cuire un peu les produits.